Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaïdan pour les jeux du Sim et Éternel Coucou. sur notre campagne Total Warhammer 3 sur SFO. Et nous faisions la réflexion que Katei était en train de vivre ses derniers instants, puisqu'il reste un lord aux provinces de l'Ouest. Il est en train d'assiéger ici et ça va pas durer longtemps. Il reste un lord aux provinces du Nord qui est en train de piller chez moi et ça va pas durer longtemps. Et c'est Et les tout. trois portails. Et c'est tout. Et ensuite, il y a les trois portails. Alors ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Est-ce que Si je peux je sais pas si juste je vais. monter un peu le son de ton micro, j'ai l'impression que c'est un peu faible. Attends, je vais voir. Et te couper des paramètres de son. Non, ça m'a. Non, ça va rester normal là. Peut-être que j'ai baissé un peu. D'accord. J'ai baissé peut-être un peu plus le micro. Ouais, donc ensuite, Oui, donc. il On s'était reste. arrêté à l'épisode précédent en plein milieu d'une bataille pas ultra passionnante Oui. avec les orques, avec Snitch, non Scar Snitch qui m'attaquait, Scarce, oui. Donc, Scar Snitch qui attaquait Caracazul, qu'on a fini par emporter au moral. voilà. Oh, même non, à l'usure. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est chez moi, mais il est chez moi, il y a deux corruptions, mais il régène quand même. Oui, parce qu'il est encore bon. Il a pu se foutre en campement après avoir foiré une Mais attaque, ouais. les orques, ils se mettent en campement à zéro. Ah, d'accord, ok. Ils ont besoin de zéro de mouvement pour se mettre en campement, donc c'est pas trop dur. Voilà, donc il va falloir qu'ils repoussent les derniers instants. Ouais, Verme, c'est vrai, ils tiennent bien. Bon, ils ont bientôt. Oui, Voilà. mais les nains ont pas encore démarré. Les nains arrivent dans 3 tours, c'est ça? C'est 72, Ça doit 73? être ça normalement, c'était soit 72 soit 73, je sais plus exactement. On verra bien. Alors, la ligne crochue. J'adore. Je fais des batailles, 3 pertes, c'est pas grave, il se relève tout de suite. Même pas mal. Alors, et on se disait, en off, juste après notre gros combat contre Skarsnik, qu'on allait peut-être se faire un vrai combat en duo. Moi, de toute façon, je vais déclarer la guerre aux défenseurs du Grand Dessein. Enfin, ça, pour l'instant, c'est le seul truc dont t'as à t'occuper dans le coin. Hein. Voilà. Si tu t'entends bien avec Ben Grimgor. non, je suis quand même en guerre contre les ogres. Mais bon. Les ogres. Bah, la gueule. Pas la gueule. Ah, t'es en guerre contre Grimtouf? Contre Oui, ben Bluetooth, oui, Goldtouf? il m'a déclaré la guerre. Ah oui, j'avais oublié. Oui, Il n'y moi a pas ça va 30 sans tours. doute pas tarder non plus. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé me rapprocher en vue des nains. Mais tant que Hellman est là, je vais peut-être commencer à m'en occuper tout de suite en fait. Ou pas, tu peux. Bon, à la limite, c'est vert hein, chez eux. Hein. Je peux. Oui, mais le truc c'est que si tu vas t'occuper des défenseurs du grand plan, tu penses pouvoir faire les deux en même temps? Bah, défenseurs du grand plan, il leur reste. Ah oui, si, ils ont 4 provinces tout au sud. 4 régions tout au Et sud. ils ont quand même 6 provinces, donc t'as les nains au passage. Bon, il y en a deux que je vais récupérer rapidement, mais ouais. Bah, j'ai quand même 4 armées full. Hein. Bon, certes, il y en a une, c'est des esclaves, mais je peux imaginer en mettre deux sur les. Le truc c'est que là, moi j'ai mes deux armées qui sont à côté et c'est un peu sur le passage quoi. Et surtout, de toute façon, le problème c'est que vu mes relations, en fait, si je me casse, j'ai un peu peur qu'ils m'attaquent dans le dos dès que je Bah, ne sauve à rien. sauf si c'est moi qui m'occupe d'eux. Enfin bref, On verra. on se disait voilà que on allait essayer de se faire un petit combat J'attends ici. que tu te mettes en position, moi je suis prêt à attaquer. Alors, je vais me mettre. Du coup, est-ce que je me mets en. Je vais peut-être me mettre en marche forcée par contre, histoire de pouvoir me rebarrer derrière. Je suis pas full life avec mon armée, mais. Mais je vais peut-être quand même te laisser démarrer. Oui, non, mais c'est normal. De toute façon, là, si tu attaques. Si tu fais une sortie, tiens, tu peux regarder si tu fais une sortie. Est-ce que. Oui, t'as le défenseur du Grand Blanc qui t'attaque en même temps. Ah bah, Oui. j'imagine. Oui. Ouais. Donc, du coup, je vais me mettre contre les provinces de l'Ouest. Apporter le renfort des. Le Donc. truc, c'est que moi, c'est les provinces de l'Ouest que je vais attaquer en C'est fait. ça, ouais, c'est ça.
Parce que le problème, c'est que si j'attaque le défenseur du grand plan, il Voilà. est possible qu'il fuit. C'est ça. Et là, l'avantage, c'est que je peux me rebarrer chez moi et donc régène Tu au étais assez prochain tour. proche pour te C'est rebarrer ça. chez toi et éviter la corruption. Donc tu peux approcher le tien, ton Maldred. De toute façon, c'est avec lui que j'attaque. Oui, c'est avec lui que t'attaques. Oh. Destroy. Ah, il pourrait lâcher son siège du coup. Non. Non, il peut pas, c'est le dernier, donc... Eh non, je t'ai pas là. Ah, chiotte. Comment ça se fait? T'es pas avec moi. Tu l'as déclaré hier ou pas? Mais non, mais là, moi, je suis toujours en guerre contre l'Ouest. C'est Oui, mais sauf que bizarre. le truc, c'est que comme lui, il est allié avec quelqu'un avec qui t'es pas en guerre, c'est peut-être tu peux peut-être pas me joindre du coup. Ah. Si t'annules, tu peux Ah, plus... je peux péter la gueule juste aux provinces de l'Ouest en attaque éclair, sinon, mais. Non, mais Le truc, c'est. si t'annules, il te reste suffisamment de mouvement ou pas? Mais je sais pas. Bah, on teste. Au pire, on fera un rechargement. Toc. Ouais, ça devrait aller. Ça ira. Alors, pour Voilà. attaquer le défenseur, je suis pas certain d'avoir assez pour Alors, attaquer il est en. le. C'est qui? C'est l'esprit de Shanlin. C'est qui? Ah, c'est les elfes. Alors, dans ce cas, je vais rejoindre la guerre. Je vais te demander de rejoindre la guerre plutôt. D'accord. Pour éviter de me choper une guerre contre les elfes sylvains tout de suite. Ça viendra tôt ou tard, hein, mais. Ah, parce qu'ils sont alliés avec les elfes. Ah Ouais, oui, d'accord, oui. ils sont en alliance Oui, on défensive. sent les elfes sylvains qui suivent qui te fassent là où ils sont. Tac. Attends, même. Attends, les défenseurs du grand plan, ils sont où? Je cherche toi. Je cherche toi. Toi, Peut-être falloir que tu tu. t'avances quand même un petit peu, hein, parce que je sais pas si. C'est vrai, le truc, c'est que là, même pour attaquer le Ouais. prince de l'Ouest, je t'ai même pas apporté en Tu. fait. D'accord. Ok. J'ai même pas le trait jaune, c'est peut-être juste ça. Hein. Alors, je vais demander à mon allié, comme ça je vais récupérer des thunes en même temps. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai pas compris. J'ai rejoindre la guerre, c'est ça. Je veux rejoindre contre ça. Et je veux que tu me donnes des sous. Oui, tu serais content. Oui, donne-moi 1030 sous. Oui. Là, c'est bon. En fait, Ah, t'as d'accord. pas bougé, mais maintenant Ouais, c'était t'es ça le. considéré comme renfort. La limite, c'était ça. Vas-y, ben, enjoy. Oh, Du coup, est-ce que je peux. on va le défoncer. Ça a l'air d'être bon. Et bon. Voilà. Bon, par Hop. contre, je perds deux ghouls, donc on va la faire. Oui, non, bah oui. De toute façon, c'était l'idée. Oui, non, tout à fait. Mais... Ah, je me dis, il y a peut-être tellement de puissance que on pourra le Ouais, défoncer comme ça, mais. sachant que moi, je suis en marche forcée. On va faire un. Mais il est un peu abîmé. Non mais ça va mal se passer pour lui. Hein. Normalement, ça devrait mal se passer pour lui. Il faut juste que je fasse attention à mes Mavargulf et Mavargeist qui sont pas très en forme. Bon, à la limite tu l'es derrière. Bah, c'est deux unités qui ont la faim, donc le truc c'est qu'il faut Tout qu'elles elle soient OK régène, pour ouais. régénérer. Ah, tiens, c'est original. Tu vas arriver exactement au même endroit que mes. Ah non, c'est lui, il va arriver au même endroit que mes renforts. Ça va être moche pour la garnison. Bah, Mais surtout que toi, t'arrives loin. ce que tu fais, c'est que tu déplaces. Bon, à la limite, on se fait une vraie bataille. Hein, donc, tu déplaces tes renforts par le petit boulet là où j'arrive, moi, comme ça, je suis sûr Bah, d'arriver avant. ça va dépendre à quel moment ils arrivent en fait. Ouais. S'ils arrivent après. Et puis derrière, voilà, on peut lui laisser un peu le temps de s'installer, histoire qu'on ait une bataille un peu sympa, quoi. Bah, et surtout que toi, t'as le temps d'arriver en C'est ça. fait. Je sais pas, parce que comme c'est sans doute toi qui es le plus loin, c'est sans doute toi qui va mettre le plus de temps à arriver. Je sais pas, en plus je suis en marche forcée, donc. Donc, tu vas en plus être fatigué, tu vas pas te déplacer très Ouais. vite. C'est pas grave. On n'a pas l'habitude que ça traîne. Ouais, Alors, 41 secondes, si ça va. lui il arrive à 2 minutes 05, moi j'arrive à 1 minute. Donc, j'arrive bien bien avant lui. Ouais, et moi j'arrive au bout à 41 secondes, donc Non, je vais pas déplacer du coup, parce que le je vais problème pas c'est que trop. là pour le coup, je pense que si je déplace, je vais arriver très très tard en fait. Oui, ça permettra que t'aies les Alors renforts que là au qui. moins ils vont venir, ils vont se mettre en première ligne pour encaisser. Et du coup, je vais envoyer Mavargulf et Mavargeist se défoncer son lord pour qu'il Ah ouais, régène. bah enjoy. Et attends, je regarde bien, c'est la fin. Ah, il faudrait que j'envoie aussi mes ghouls pour. Bon. Je vais envoyer tout ce qui a besoin de régène, taper son lord pour que ça. Ouais, ça va peut-être pas durer longtemps. Fais gaffe que c'est pas son un sorcier. Ou si. C'est
C'est un sorcier mais qui n'est pas de feu. C'est que du buff qu'il a. Ah, ok. Buff et des buffs. Un sorcier de l'air ou je sais pas quoi. Bon, moi je suis prêt, je pique. Tout le reste, pas besoin de bouger. T'aurais pas besoin non plus. Allez. Hop. Et x4. Ah tiens, je peux pas mettre en pause du coup. Si, il faut qu'on le fasse tous les deux. Ah oui. Là, il faut que tu cliques sur... Non, la catapulte, stop. Non, c'était juste, j'ai l'habitude de mettre d'appuyer sur P dès le début. Eh oui. Tiens, son lord a disparu. J'étais en train de m'approcher, son lord a disparu sous les cernes des catapultes. C'est étrange. Ah puis, il est plus là. Si, il est là. Ah si. The fuck. Il s'est futé. Cap de jet. Les renforts sont arrivés. Allez. Time to move. Ah, j'ai presque pas l'habitude de l'entendre. les paroles de Snip. Sa victoire. Il m'a pas proposé d'attendre les renforts. Attends, mais peut-être que si on attend. Bah oui. Non. Ça non, ils sont pas. Bloqués. Oh, c'est quoi cette merde? Ah, c'est naze. Bon. Bah, c'est un échec. Je sais pas si j'aurai assez de mouvement pour attaquer. Bah écoute, terminé la bataille, hein, de toute façon. Bon. C'est un échec. Quelle victoire décisive. Ultra intéressant. J'aime trouver moyen d'avoir de perte. Et lui, tu l'as pas tué en plus. Ah non, t'as mis une battle. Ah merde. J'étais parti pour le finir. Hein. Ah merde, je suis tombé. Oh putain, c'est nul. C'est que du coup, en plus, il va s'enfuir ce con. C'est nul. Oh là là. Quel drame. Les amateurs. Là, on a tout faux, là. Voilà. Vouloir faire les choses en grand, on a tout faux. C'est ça. C'est exactement ça. J'adore quand ta plan se déroule sans accro. C'est ça. Presque. C'est... manger deux temps de chargement pour ça, sérieux. Désolé, ami viewer. Ça va, c'est quand même assez rapide. Assez. Et j'ai encore quelques unités qui sont pas en neuf, mais pas beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Oui. Voilà, youpi, c'était super dur. Youpi, joie, youpi. Youpi se casse du coup. Ah putain, et l'autre s'est barré aussi du coup. Bah putain. Oui, normal. Bah mais comme il était part de rien, j'aurais pu penser qu'il reste sur place, mais c'est con parce que j'ai massé juste un peu de mouvement pour attaquer s'il n'est pas bougé. Bon, Ah, au moins ça m'a fait valider ma quête, youpi. Attends, moi je peux. Alors, moi j'ai plus assez de mouvement pour rien faire à part me mettre chez moi là. Attends, est-ce que je peux... Si toi par contre t'as assez de portée pour l'attaquer, mais t'es en marche forcée donc ça m'étonnerait. Non, je suis repassé, je pense que je peux l'avoir, je vois pas de... Et est-ce que tu vois le trait jaune ou pas? Non, oui je vois le trait jaune. Ah ici. Bah... Bon. T'es arrivé cette fois-ci. Et bah, voilà. Embuscade. Oui, en plus en embuscade, ouais, donc sans, sans perte ni rien, on l'a fait quand même, pour le plaisir. Je sais pas. Tu me dis, c'est toi qui veux faire une grosse bataille et tout. Allez, pour le plaisir. Allez. On va juste couper le chargement. Oui, pas de soucis. Bon. Voilà, c'est bon, on a chargé.
Alors, donc on est dans cette situation. Éternel va arriver avec au bout d'une minute 38. Heureusement, il a une unité rapide. La garnison, on l'a fait popper ici, mais de toute façon, on la verra pas. Donc, Normalement, elle n'est pas censée popper. voilà, elle n'est pas censée popper. Donc, ça va être un peu tendax. Ah, après, ces unités sont pas très en forme, mais ça reste du Unités sont. Saurus, quoi. Voilà, ça arrive du Saurus. La question, c'est comment est-ce que je gère ça pour lui mettre un peu de délai quand même. En plus, il y a plein d'unités que je n'ai pas jouées, moi, là-dedans. Ah oui, tu peux rien me filer en plus là? Je pense que si. Si, quand même. Tant que. Bon, ensuite, tu me les Oui, rendras. non, bah, faut que tu utilises tes Gutter Runner un maximum pour leur foutre des filets en fait. Ah non, je peux pas te les filer. Oui, c'est ça, non, c'était marqué chacun play as seul, donc. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, je vais mettre. Elles sont plutôt sur le Tiens, flanc. moi, je sais pas si quand je vais arriver, il restera déjà plus grand monde. Je vais me mettre plutôt sur le flanc où je suis, hein, de toute façon. Ouais, parce que sinon avec les arbres ça va te gêner, je pense. Donc... Hop, je vais me faire déranger. Du cac fufu ici. Du cac pas fufu. Là. Tac. Descendre. Et ouais, ça risque d'être un peu sale quand même. Ça va pas être très très propre. C'est bon? Presque, 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 Bon, t'as une presque. minute. Hop. C'est parti. Pause. Faut que tu mettes pause de ton Ton côté. hidden unit has been revealed, mais t'avais pas d'unité là. Il faut que tu mettes pause de ton côté en fait. Pardon. Voilà. Pour que je puisse gérer ça. Donc là, il me charge. Typiquement, il me charge. Ah bah oui, là. Donc je vais mettre une petite tornade noire en maxé. Ça bouge pas hein, la tornade noire, c'est ça? Il me semble que c'est un vortex fixe. C'est un gros Non, vortex. c'est immobile, c'est ça. Par là. Hop. Donc, j'envoie mes trois persos sur son lord. J'envoie les deux triades sur ses premières unités là. Tac, toi. À mon avis, le temps que j'arrive, ça sera vraiment plus grand monde. Ce sera peut-être plus très très vite. Mais je pense que je vais quand même avoir des guerriers des clans qui vont prendre cher. T'as peut-être que tes lignes qui vont prendre un peu. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas que tes guerriers des clans, parce que t'as quand même pas grand-chose comme guerriers des clans. Fais gaffe à tes Gutter Runner, notamment. C'est pas forcément fait pour tanker du Saurus. Bah, ceci étant, normalement, ça le kite très bien. Hein. Ouais, ok. Ils sont pas censés pouvoir te rattraper. Pour ça, je vais peut-être les mettre en En embuscade. escarmouche, ouais. Alors, j'ai fait gaffe parce que du coup, c'était Slinger derrière qui Ouais, non, mais vont. ça Et eux, ira. ils peuvent pas tirer en mouvement donc. Hop, allez, c'est parti, enfoiré. Pense à l'invocation de tes triades d'élite. Ouais. Pour bloquer, c'est pas mal Oh aussi. putain, il va vite. Quoi? Bah, il est sur monture, non? Ah non, même pas. Il va vite mourir, mais. Le problème, c'est avec le rampage. T'en as des pipoils bien placés. Ta tornade, elle est tombée en plein sur tes triades d'échine, hein. Ah merde. Où c'était là? Où c'était Oups. l'invoque? Non, non, c'est. Ah, Non, elles ont pas aimé. non. Oh, putain, c'est pas la première fois qu'elles en prennent plein la tronche, celle-là. Il y a un Pourtant, petit elles sont loupé. toujours là, donc. Il y a eu un petit loupé. L'invoque, pourquoi je peux pas lancer l'invoque? Parce que je peux pas le lancer quand je suis en combat, c'est ça? Non, je sais pas. Je sais pas. Tac. Ah oui, j'ai vu. Hop là. Ah oui, donc je sais même pas si elle a été très efficace en plus ta tornade. Si, 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 Ouais, si, bah, je. 40 kills. Hein. Ouais. Oh. Écoute, hop. Bah, disons que t'as wipé un pack quoi. En plus c'est bien, il y a ton mortier qui continue à tirer sur tes triades. Ah, mais. Oh putain, c'est une blague. Quand on aime, on compte pas. Ah oui, le problème c'est qu'ils veulent pas fuir en plus.
peut-être les reculer quand même. On avait dit qu'on essayait de, d'avoir des unités qui étaient pas trop low. Oui. Tiens, je pourrais peut-être faire un petit... Ouais, il va plus rester grand-chose en fait, je te confirme. C'est vraiment un échec. J'arrive dans 30 secondes s'il reste des trucs. C'est vraiment un échec complet, ce... Il était prévu au départ. On leur a complètement foiré ce tour. C'est ça. Une question, c'est est-ce que je peux balancer, est-ce que je peux te balancer de la régène sur tes troupes à toi? Je ne sais pas. C'est possible. Peut-être essayer de sauver tes... Essayer de sauver, tes triades. C'est ça le dédoublement, ouais. Ouais, ils sont déjà tous en fuite, hein. Je suis même pas certain d'avoir le temps d'arriver avant qu'ils fuient tous là. Bah, le truc c'est qu'en plus ils sont en retrait, en retraite en plus, donc ils vont tous être détruits. Ils en ont un ou deux qui ont récup. Ouais, ça ne durera pas longtemps. Ça va pas durer longtemps. On est d'accord. C'était un échec. Bon, t'as pas eu tant de casques que ça à part tes Guaido. Ouais. Qui sont où d'ailleurs? Ouais, dans la mêlée. Tu les as renvoyés dans la mêlée? Ouais, ce qui reste. Oui, bah il leur reste 900 PV. J'arrive, je vais voir si je peux leur claquer une régène ou pas. Ouais. Non, je peux pas. Non. Dommage. Ah si, y'en a qui ont récup là. Ah, par contre, je veux bien que t'arrêtes les mortiers quand j'arrive. Oui, ils sont déjà arrêtés. Ah bon? Ouais, bon. Ouais. Bah voilà, j'aurais été ultra utile. I went there. Bon. Bah, terminer la bataille, et puis je prendrai la gêne, histoire de... Voilà. Bon. Perte 176. Ah bon, mon chef là? Putain la vache. Là, je sais pas, du coup, je vois pas tes stats à toi là. Mon chef, il a fait 13 500 de dégâts, 37 victimes. 13 500? Ouais. Sans capacité ni rien. Sans capacité ni rien. Tout ça à la main. Ça commence à faire beaucoup pour le peu de temps qu'a duré la bataille. C'est clair. Mais le champion, c'est le mortier. Oui, bah ça... Ouais, t'as presque claqué ton sort trop vite. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire pas mal. Mais... Ouais. Ah si, j'ai fait 2 kills avec mes X-Wraith. Je sais pas comment est-ce qu'elles ont fait, parce qu'il me semble pas qu'elles étaient arrivées, mais... Ouais, je sais pas. C'est qu'ils sont morts de peur, c'est pour ça. Mon dieu, c'est affreux. C'est 2 crises cardiaques. Ouais, du coup ça compte pour moi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça fait dire beaucoup. Tiens, j'ai quand même fait quelque chose. Hop. Bon. Bah désolé, amis joueurs. On fera mieux une prochaine fois, mais... On essaiera de faire mieux, ouais. Mais c'est pas sûr. Hop, ouais, on va prendre de la régène. Parce que... Oh bah non, moi il me propose 3800 thunes pour ça donc. Ah, tu me diras, moi aussi il me propose 3800 thunes. Moi honnêtement, pour un combat comme ça où j'ai rien foutu, ça me va. Ouais, non, normalement je les perds pas, mais Trilal. Allez, soyons grillés. Bon, ça va, c'était un combat nul, mais mes 4000 PO je prends. 24000 PO, qu'est-ce que j'ai en faire de tout ça? Hop. Bon, alors, ceci étant, je sais pas si je peux déjà attaquer. Je confirme que je... Ah, mais j'ai encore un traité avec lui. Ah, je suis encore 2 tours pour la nuit. Bon, en même temps, de toute façon, j'ai déjà une réputation de merde. Un peu plus, un peu moins. De toute façon, de voir les choses, je pourrais accélérer les choses.
Donc moi, à la limite, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer. Parce que le truc, c'est comme moi, comme c'est vert aussi. Le truc, c'est qu'après, toi, t'auras pas grand-chose d'autre que d'aller taper sur Gengor, quoi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer deux armées sur le grand plan. Je pense que ça va aller relativement vite. J'espère. Et puis j'ai envoyé mes esclaves et Snitch sur comment sur les ogres. Ça nous changera un peu de type de bataille. Par contre, je vais me prendre une attrition de cochon encore. Bon, tu perds rien. Oui, je peux rien. Hop. Est-ce que je peux passer? Bon, Je vais est-ce que devoir passer. j'attaque ou est-ce que j'attaque pas? Je vais devoir passer deux tours en attrition. Pourquoi deux? Avec mes esclaves. Un petit assaut de garnison. Bon, donc du coup, je te laisse. Ouais, je gère le grand Oh, plan. tiens! Ça compte comme si je viens de choper ton trait, comme si je t'avais défait. C'est nimp. Qui fait que du coup, maintenant, mon Strigoi, il est stalk. Ah, c'est Et toi, mieux. t'as. Ah, ouais, non, t'as un petit peu pas rachopé le mieux parce que c'est pas un légendaire. Bon, bah, du coup, je vais continuer à me rapprocher. Je te laisse les Vas-y. ogres, je vais les préparer là. Ouais, non, L'offensive des nains. ça me semble plus raisonnable. Toi, est-ce que Et je... donc du coup j'ai dit que je récupérais ma banshee au passage. Ah putain, le pouillème qui manque. Ouf, la lag. Je serais pas étonné que les gobelins rattaquent au prochain tour, mais. À quoi qu'il a pas Skarsnik du coup. Ça va du mal. Putain, j'ai toujours que 19 Ça unités. lague méchamment, oui. Oh. Il est juste tellement en peine, quoi. Ok, ça c'est fait. Toi. Je vais t'envoyer par là. Allez, c'est bon. Snitch, il est là. Et oui, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup que Arcanum ne déclare pas la guerre. Tu Franchement. m'étonnes. Ah bah ça va t'occuper après les. Ah mais oui, c'est parce qu'il c'est au niveau de Mulder. Bah, qu'est-ce que tu Franchement, fous oui. les provinces aussi haut, quoi. C'est au niveau de Mulder. Alors. Quelle idée aussi, d'avoir confédéré aussi loin. Et ouais, j'aime bien les challenges. Toi, tu vas retourner. Oh, sérieux là? Qu'il a du mal. Oh putain, c'est du délire. T'es en train de faire des trucs spécifiques là? Non, je fais des constructions, c'est tout. Ouh, Angrad, niveau 5. Wow, ça va picoter. Ça va Bon, picoter. bah en fait 27 000 PO ça se dépense. Hein. Ça, c'est bizarre. Hop. Alors, Shangyang. Il m'en manque même un peu. T'en manques même un peu. Hop. Allez, ça. On fait ça. Et tu pourrais. T'es loin de Confédérer Morse? Il faut que je regarde. Alors ça va te mettre d'autres voisins sympas, hein, mais.
Tu seras voisin avec Scarbrand et Wurzag. Qui mes copains. Il paraît qu'on a déjà fait mieux comme voisinage. Alors, la lande céleste. Oh, c'est bien ça. Générer de la bouffe. Automatiquement. Poste avancé. Il me semble bien, j'ai déjà dit que j'en avais rien à secouer. Donne-moi des... Ah, ouh, je vais bientôt être au max d'allégeance chez toi. Petite horreur de la portée. Ça peut être sympa à recruter ça. Ah, sauf que c'est du violet encore. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Morse se met en règle de confédère facilement. Ah! Nouveau pure équipe, oui. D'accord. Morse, bah, si tu veux, je suis à moins 131. Ah oui! Ah oui, d'accord, ok. Bon, en chance de confédération. Hein. Ah, d'accord, je croyais, non, je parlais moins 42 sur l'entente. Ouais, c'est pas fou non plus. Ouais, non, en fait, il aime pas Rictus et il aime pas Verms. Ouais, ah oui, mais ça, Rictus aime bien Morse, mais Morse n'aime pas Rictus. C'est le ouais. Concept, mais c'est comme ça. Et... Alors, qu'est-ce que je pourrais te piquer comme unité? Ah ouais, une foreuse de Malpierre. Tu peux. Non, par contre, je te piquerai bien des moines de la peste. J'ai fini mon tour. C'est sympa les moines de la peste. Fais gaffe, parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème d'attrition? Je sais pas du tout. T'es les catapultes et le chapeau d'attrition, je sais pas. Je crois pas. Je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Ouais, tu l'aurais vu, je pense que. Bah non, parce que là typiquement j'en ai chez Gorst, j'ai pas d'attrition sur mes catapultes. Donc... Oui mais il est en ville donc. Ah non sur non, Gorst. Non, il est pas en ville. Sur Gorst. Non, Gorst, je parle. J'ai fini mon tour. J'aviserai. Le truc c'est que bon, ça prend deux tours à recruter et je pense pas que Skarchnik me laisse deux tours pour recruter. Mais si étant, faut que je pense à les dépenser parce que je suis quasiment full. Donc. Moi je suis full et je les dépense pas. Oh, comme c'est bizarre. Au revoir les provinces du Nord. Ah non, putain. Allez, reviens m'attaquer. Non, tu reviens pas m'attaquer. Il est pas encore mort les provinces de l'Ouest là? Qu'est-ce qu'il a foutu? Je sais pas. Non, bah non, il est revenu t'assiéger. Oh, t'es sérieux là? Bah oui. Putain. C'est complètement ridicule. Bah si, en fait il est obligé parce que... Oui mais qu'il soit capable d'assiéger avec un héros en fait, c'est ça que je trouve ridicule. Que tu te rappelles que les héros sortent 5 échelles de leur fondement. Oui mais c'est... J'ai un même niveau moral. Même si je foutais toutes mes troupes dans un coin de la map, je suis même pas certain qu'il y arriverait. Mais je pense qu'au niveau moral, il perdrait avant même d'arriver au centre de la carte. Oui mais il serait pas mort à la fin. Du coup il abandonnerait et puis reviendrait. Mais attends, dans 9 tours, il a gagné. Hein. Mmh. Ah. Votre allié déclare la guerre. Bah, et d'autant que j'ai vraiment que ça à faire de rester 9 tours. Putain, enfin, c'est qu'en plus, il va m'empêcher de. Verbe qui déclare la guerre à qui? À Rictus. Ah bah, ça plaira à Morse. Hein. Mais. Oh, bordel. Ah, je sais ce que c'est, moi aussi j'ai laissé tomber une alliance à cause de ça. Ouais bah... C'est soit je laisse tomber une alliance, soit je laisse tomber un PNA. Mais je crois que dans tous les cas... Ah non, c'est pas juste que tu as laissé tomber un PNA, c'est que tu vas en plus de ça agresser Rictus. Oui c'est ça, ce qui est totalement pas dans mon intérêt donc... Oh là 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 là, fais chier. C'est débile. C'est vraiment débile la diplomatie dans le jeu. C'est vraiment géré avec les pieds. C'est Total War quoi. Voilà. Putain. Il fait suer l'autre là. Ah oui, c'est avec les rebelles de Jiangxi que. Tu peux pas les confédérer eux. Ce serait tellement. Elle est de crève, on parle plus là. Ouais, t'aurais. Je suis trop loin pour rejoindre, c'est dommage. Zéro perte, ouais, youpi.
Ah, il me rassiège Caracasul, évidemment. Oh putain, il m'a blessé, moi. Ça y est, faction détruite. Allez, cassos. Pédé bon, t'auras pas besoin de moi pour les ogres. Rebellion. Non, non, je me débrouille. Bon, alors, du coup, je me casse. Et rébellion ici. Bon, là, je suis pas prêt. De m'attaquer à Angrad, moi. Eh, mais il y a un. Ah, il y a une caravane. Une caravane de KT. Ouais, mais comme je suis pas en guerre contre eux et que j'ai pas spécialement envie de me mettre en guerre contre non, eux. Non, mais de toute façon, t'étais trop loin. Elle est en plein milieu. Ouais. Oui, non, mais elle était pas très loin de chez moi avant. Je vais peut-être les laisser éclater cette. Qu'est-ce qu'elle dit, ma garnison tac-tac. Et... qu'est-ce qui se passe ce soir-là que ça lag comme ça? Ceci étant, il m'a... de péter son lord, ça m'a refilé 3000 PO. Putain, abusé. Si... ils sont... ouais, mais c'est en revendant l'armure. Ils ont tous des armures en or, du coup ça rapporte plein de thunes quand tu les revends. Bon, hop, toi. Ça s'arrêtait bien qu'il le remplace par Miao Ying juste à la fin, mais. Et il a pas voulu. Ce qui est bizarre d'ailleurs, hein, parce que. Ouais. C'est assez bizarre. Ah, la ligne crochue. Toi, Nana. Tu... repasse. On va attendre qu'il y aura siège, sauf que cette fois-ci il y aura deux armées au lieu d'une, avec encore plus de zombies. Voilà, là j'aurai peut-être en auto cette. Et on peut. Hop. Allez, check. On va rester au niveau 1 ici. Hop. Oh, fait chier, putain, il a récupéré la... bordel. Le mort-vivant, il a récupéré la... That smells like grave rot, an unfortunate disease. Comment, le porc... Ah. Oh là 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 là. Et puis, je suis pas prêt de les confédérer encore. Tu fais quoi? Je vais annuler ma... au point où j'en suis, de toute façon, j'ai une fiabilité qui est basse. Oui, ouais, t'es... casse-leur la gueule. Hein. Je vais annuler ma... de toute façon, oui, plutôt tôt ou tard. Hop, voilà. J'annule tout. Hop. Tac. Et... tac. Voilà. Comme ça... ah, clan Morse, maintenant ils s'entendent bien avec moi. Bah oui, sans deck. Ils sont plus contents. Ça reste du moins 12, mais... sauf que maintenant... hop, à tous les coups... je me retrouve avec des déclarations de guerre en boucle. Hop, on va passer à vous comme ça. Non, si je régène, il faut que je fasse ça. Hop. Si t'as besoin de thunes, tu sais pas quoi en faire. Bah, j'ai plus rien à construire et il me reste 6000 PO donc. Mes constructions sous lancées, je sais pas vraiment. Où je commence à lever une troisième vraie armée. C'est géré. Ouais, contre les nains, ça pourrait peut-être être pas mal. Ouais, une troisième vraie armée, ça peut.
Une troisième vraie armée avec des vraies unités dedans. Bah, de toute façon, déjà rien que de recruter un Strigoï légendaire, c'est 3400 PO. Donc. Non, là j'avais pas des chines, donc ça va être pas le coup. L'âme sanglante. Ah oh, non, je vais me faire une armée full. Full éthérée. J'ai un Lord légendaire là qui me fait moins 10% d'upkeep et plus 10% de weapon strength pour toutes les unités éthérées. Ça me patache. Hey hop! Et en plus, ça me fera un seigneur vampire, j'en ai pas encore. Héros non déplacé. Est-ce que c'est dans cette armée? Non, c'est pas dans cette ville-là. Raté, je l'ai pas recruté au bon endroit. Tant pis. Black Coach. Bah, c'est pas ici non plus? Ah non, c'est. Ah oui, non, je l'ai pas du tout recruté au bon endroit, merde. Bon, pas grave. Oh, c'est bien ça. C'est quoi ce truc? Putain, les plantes? Les pâturages là? Le bâtiment niveau 1, nourriture générée 2, croissance plus 5. Oui, non, non, pour les Skaven, c'est. Taux de reconstitution des victimes plus 2%. Ouh. C'est. Pétache. Attention, je fais de la diplo. Enfin, j'essaye de faire de la diplo. C'est vrai, ça, c'est rapide. C'était assez rapide. Hop, voilà. Bon, bah, moi, j'ai plus de sous. Hein. Ah, il m'en reste plus que 3000 là. Pas tour terminé. 2. Plus d'un autre. Une rébellion imminente. Je suis au courant. Il m'a déjà dit. Hop. Est-ce que j'ai bien déplacé toutes mes armées? Oui. Donc. T'as le salaud qui m'a blessé. Pendant 7 tours, il me fout. Les provinces de l'Ouest, ils m'ont blessé l'un de mes héros de map, qui est HS pendant 7 tours, et ça, juste avant de disparaître, quoi. C'est pas la, oui. Du tout la faction... C'est ce qu'on appelle dernier souffle, râle d'agonie. C'est ça. Fuck you. Je ne partirai pas seul. C'est move. Allez. Hey. C'est le barreau d'honneur. Ça y est, enfin. Et hop. Tout caté est mort dans le même tour. C'est ça. Et à leurs âmes. Ah non, non, il reste encore les trois bastions. C'est totalement ridicule. Oui, les deux légendaires de caté sont morts dans le même tour. Bah, toutes les autres factions de caté sont mortes. Oula, lag. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu parles en mode robot là. Je suis un petit robot. Oui, je comprends. C'est bon, c'est revenu. Oui, c'est bon. Ah, tu te fais n'attaquer. Oui, bah comme prévu. Et tu l'as fait en auto ou pas? Non, bah, si en auto je la perds. Oh putain. J'ai deux armées plus une garnison et en auto je la perds. Oh, c'est nimpe. Mais le truc c'est que là j'ai pas de tour. C'est mon armée à l'extérieur. Ah oui, il attaque. Ouais, si tu fuis, t'as aucun intérêt. Je peux pas fuir, je suis un marchand. Ouf. D'accord. Bon, de toute façon, on va pas la faire à cet épisode-là. Hein. C'est ce que j'étais en train de dire, à mon avis, on va pas la lancer maintenant. On va s'arrêter là du coup. Et puis, vous verrez bien ce qui se passe. Next turn. Et youpi joie. Et ça va encore être une bataille. Ouh, à la limite, on va presque la faire en off. Et puis, on vous dira ce qui se passe. C'est ce que je suis en train de dire, à mon avis. Autant la faire en off. Parce que t'as aucune troupe intéressante. J'ai des ghouls, 2-3 unités d'élite. Mais c'est quand même essentiellement de la ghoul. Et à part les unités de garnison où j'ai quelques grave-guard. Ouais. Bon. C'est du zombie quoi. On va se la faire en off. Et puis voilà. On vous montrera le résultat à la fin. Allez, on vous fait des bisous. Bisous. Ciao les gens.